Je m'appelle Catherine Dufour et j'ai commencé... Alors, dans le civil, je suis informaticienne. J'écris aussi des articles pour le monde diplomatique. Et j'ai commencé à écrire, enfin, en tout cas, à être publiée. J'ai commencé à écrire à l'âge de 7 ans, mais j'ai commencé à être publiée à 35, donc au début des années 2000. J'ai commencé pendant 5 ans à faire de la fantaisie humoristique dans la veine de Terry Pratchett. Et puis ensuite, j'ai fait de la science-fiction beaucoup plus sérieuse avec le goût de l'immortalité qui a eu le Grand Prix de l'Imaginaire et le prix Rognini et pas mal de prix. Et puis au début des années 2010, j'ai rencontré une éditrice sympa chez Fayard. Alors j'ai fait un certain nombre d'ouvrages chez Fayard. Le guide de métier pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse, l'histoire de France pour ceux qui n'aiment pas ça, etc. Je travaille toujours avec eux. Et puis là, je suis revenue à l'imaginaire et j'ai la joie et l'honneur d'être publiée à La Talente avec « Entends la nuit », qui est un livre de fantaisie urbaine. En fait, c'est un anti-Twilight. Donc, c'est une jeune femme qui rencontre, non pas un vampire, enfin, elle ne tombe pas amoureuse d'un vampire, elle tombe amoureuse de son appartement. C'est un petit deux pièces avec WC indépendante de la salle d'eau. Et, en fait, elle tombe amoureuse de l'être qui hante son appartement, qui est un lémur. Donc, et elle se rend compte que les lémures sont légions, qu'il y en a partout, dans tous les murs. C'est un mauvais jeu de mots. Et du coup, avec son petit ami, elle va aller se promener dans les murs de Paris, ce qui me permet de faire, me promener les lectrices et les lecteurs dans des endroits de Paris que j'ai particulièrement aimés, les catacombes, les cimetières, les toits de Paris, les magasins de la bibliothèque de l'Académie française, par exemple. Les murs ne sont qu'une des... Alors, c'était des... On va dire des dieux pour les... Alors, c'est pas vraiment des dieux pour les Romains, quoique si. C'était tout simplement les âmes des ancêtres, les manes. Mais ils appelaient ça dieu-manes, donc c'était quand même des dieux pour eux. Donc les inscriptions funéraires romaines commencent toujours par des M10, Manibus, Sacrum, Locus, ô dieu-manes de ce lieu sacré. Et en fait, en lisant pas mal de folkloristes comme Seignolle, Van Genep, Le Couteux, etc., je me suis aperçue que tous les peuples fantastiques qu'on connaît, que ce soit les zombies, les vampires, les trolls, les elfes, les nains, les fées, recouvrent un seul, les lémures aussi, recouvrent un seul et même peuple, c'est les âmes des ancêtres. Voilà, qu'il faut honorer, dont on vient, et en même temps, il importe de les empêcher de revenir sur Terre. Parce que dans les cimetières, voyez-vous, les pierres tombales sont installées, non pas pour honorer les morts, mais pour les empêcher de revenir. Donc c'est à la racine de cette croyance qu'on retrouve absolument partout que j'ai voulu remonter. Ma volonté en représentant le monde du travail dans lequel évolue mon héroïne, c'est simplement de coller au monde du travail tel qu'il est aujourd'hui. Donc moi, j'ai travaillé dans le public et dans le privé. Je travaille dans des petites boîtes et des moyennes et des grosses. Donc là, elle est dans une grosse boîte, mais qui est dispatchée dans plusieurs pays en petites filiales. Et ce qu'elle vit là, comme on va dire, maltraitance professionnelle, est quelque chose d'extrêmement classique. Elle est effectivement surveillée tout le temps. Elle fait un peu un bullshit job dont le monde pourrait aisément se passer. Elle a des horaires d'urgentisme. Elle est extrêmement mal payée. Elle sait qu'il y a de grandes chances, il y a des, enfin, dans les sociétés privées où j'ai travaillé, il y a une charrette tous les 3 ans où on vire, je ne sais pas, 10 ou 20% des gens juste pour apprendre aux autres à rester dans le rang. Voilà, enfin, ça, moi je l'ai vécu à plusieurs occasions. Dans les toilettes, par exemple, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de lunettes, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de papier toilette. Et c'est une chose connue que si vous avez comme ça des toilettes inconfortables, vous gagnez 2 jours de travail par an et par travailleur. Parce que du coup, les gens ne s'attardent plus aux toilettes. Mais c'est commun, c'est cool. C'est comme ça le monde du travail. Pour le monde diplomatique, j'ai écrit un article qui traite de 2 phénomènes littéraires. Il y en a eu un en 2005 et en 2011, c'est Twilight et 50 Shades of Grey. Sachant que 50 Shades of Grey est tout simplement inspiré de Twilight. Donc dans ces 2 séries, vous avez l'histoire d'une jeune fille et d'un jeune homme qui tombent fou amoureux. Alors il y a un livre où il y a plus de sexe que dans l'autre. Mais globalement, c'est la même trame. Donc moi, j'ai rien contre du tout ce type de littérature. Le seul problème, c'est qu'on n'aborde absolument pas l'aspect social. C'est quand même une femme pauvre qui tombe amoureuse d'un homme très riche. Est-ce que c'est possible de filer la romance quand il y a un tel gouffre
sociale, et surtout quand on s'adresse à quelqu'un qui appartient à la classe sociale des riches, qui est une caste, un ghetto qu'ils créent eux-mêmes pour s'y enfermer à l'abri des pauvres. Là, je vous renvoie aux études des Pinsons Charlot, mais aussi, je ne sais pas, tout Gramsci, tout Bourdieu. Est-ce que c'est possible que de vivre ça? La réponse est non, en fait. Là, je vous ai fait un gros spoiler. Je ne pense pas qu'on puisse évacuer la dimension sociale et qu'une histoire d'amour entre un riche et une pauvre puisse réellement arriver. Alors, en fait, je me suis intéressée aux vieilles pierres et à ce qu'elles peuvent avoir de sensuel. Dans mon livre, toute la sensualité, l'érotisme, même la sexualité, n'est pas l'apanage du corps humain, mais du corps de pierre. Les murs sont doux au toucher, les meubles sont moelleux, le cuir sent très bon. Voilà, je me suis amusée à inverser les valeurs de sensualité et de sensorialité entre la chair et la pierre. Oui, j'ai un amour particulier pour Paris, mais ça pourrait être valable pour n'importe quelle ville, grande ville ou d'ailleurs petite ville, à partir du moment où ce qui m'importe, ce sont les lieux chargés d'histoire. Voilà, savoir qu'on marche jusqu'aux chevilles devant les cendres de nos ancêtres et qu'on retrouve la trace de leurs mains dans les pierres, dans les poutres des charpentes, à tous les tournants. Ça, oui, j'aime beaucoup me promener comme ça dans des endroits pleins de fantômes. Alors moi, j'ai en projet une biographie sur une femme célèbre qui serait apparaître chez Fayard l'année prochaine. L'année suivante, j'ai l'intention de sortir un recueil de nouvelles de science-fiction. Et puis, je suis en train de travailler sur un livre de fantasy qui traiterait du Bataclan, en fait, de cette problématique, de comment on en arrive à se faire exploser au milieu de la jeunesse et comment faire en sorte que ça ne se reproduise pas. We'll be right back.